Bonjour et bienvenue, c'est Arcadian, on se retrouve aujourd'hui sur MudRunner. Donc je vais vous faire une petite présentation du jeu. Donc là je suis en mode défi. Donc moi je vous conseille avant de débuter le jeu sur une grande carte de faire des modes défi. Ça va vous apprendre un petit peu le gameplay et un peu tous les différents boutons. Bon, ça reste du voilà de la conduite, mais bon il y a plein de petits trucs à savoir. Donc déjà on va démarrer le moteur, hein, comme d'habitude, avec la touche R2. On va desserrer les freins à main avec rond. Donc vous avez les phares avec L1. R1, vous pouvez klaxonner. Vous pouvez changer, vous mettre en vue cockpit avec le stick gauche. Voilà. Là, c'est pour passer à vitesse. Alors, soit vous prenez manuel, vous appuyez sur le stick droit. Soit vous passez en mode automatique. Voilà, vous avancez, les vitesses vont se passer toutes seules. Autrement, vous pouvez vous mettre aussi en manuel. Donc vous avez une vitesse 1 et vous avez une vitesse 1 plus lorsque vous avez déjà accéléré. Si vous la mettez lorsque vous n'avez pas vraiment accéléré, vous allez caler être en moins la marche arrière. En automatique, la marche arrière se passe avec le bouton L2, hein, comme tous les jeux. Donc c'est parti mon kiki. Hop, donc on va déjà activer la carte pour voir où on doit se rendre. Donc on doit se rendre ici. Voilà. Donc on va y aller et après je vous montrerai comment on se sert de la carte. Donc là vous avez le petit trajet en rouge, on vous l'indique. Quand vous jouerez sur les cartes, vous avez le choix entre mode simplifié ou mode simulation. Mode simulation, vous n'aurez pas la petite flèche rouge, il faudra vous guider avec la boussole en haut à gauche. Alors ça, je suis présent dans ce petit jeu parce que moi il est sorti déjà il y a un petit moment. Donc il y a pas mal de maps, il y en a des gratuites, vous avez pas mal aussi de véhicules, hein, et ils ont sorti aussi le DLC American Wilds. Et donc il y a une suite qui sortira l'année prochaine, donc SnowRunner, hein, là ce sera dans la neige. Et il y aura d'autres aussi, puisque là le but du jeu c'est de ramener des rondins dans une série, des troncs d'arbres. Tandis que sur SnowRunner, donc il y aura des caisses, tout ça. Et les cartes sont normalement sera 4 fois plus grandes, normalement c'est ce qu'ils disent. Donc là j'ai pas d'intégrale et j'ai pas de bloc différentiel, hein, sur ce véhicule. Donc là vous allez voir, vous pouvez vite vite vous embourber. Alors vous avez un treuil, il suffit d'appuyer sur Y et cibler, là vous avez des petits points. Hop. Et appuyer sur triangle pour pouvoir avancer. Alors, je me suis remis en manuel parce que j'ai appuyé sur le stick. Alors là, je vais passer en mode avancé, je vais faire relâcher le câble. Le but c'est d'aller chercher ma remorque. Voilà. Allez, on va positionner le camion derrière la remorque. Voilà, là je vais me mettre en mode avancé et on va attacher hop, et je vais voilà. Voilà, avec la croix directionnelle droit ou gauche, je vais sélectionner attacher semi-remorque de réparation. Voilà. Donc faut bien être placé et elle se s'enclenche toute seule. Donc là maintenant on va utiliser le mode navigation pour trouver votre prochaine destination. Donc la prochaine destination, elle est là. Donc là je vais me faire mon petit tracé. Donc il faut s'habituer un peu à la carte. Enfin, au niveau des boutons, donc là j'appuie sur R1. Voilà, on va passer ici. Ouais, zoomer, voilà. Hop, on va passer dans la gadoue qui est ici. Voilà, là je passerai pas. Voilà, et ensuite bah ici quoi, tranquillou. Voilà. Allez, bah c'est parti. On y va. Là, on va passer ici parce que on va dans la petite mare là.
point jeu où on va sans l'heure. On va un petit peu embourber. On est sur la route. Donc lorsque vous serez sur les cartes, vous aurez des routes bitumes, donc vous pourrez les prendre si vos remorques sont vides. Si elles sont pleines de bois par exemple, là vous pourrez pas prendre les routes, elles seront barrées. C'est le but du jeu d'ailleurs, hein, c'est de passer dans des endroits vraiment, je vais pas dire impossible, mais bon, presque. Alors les bruitages, hein, ils sont vraiment bien foutus. Allez, on va se mettre dans la banane. Voilà. Hop, on va se mettre dans mon avancée. On relâche notre œil. Alors vous avez une caméra à 360 degrés, comme ça vous pouvez tourner autour du véhicule, avant elle n'y était pas. Autrement, vous avez les nouvelles remorques, derrière la remorque. Voilà, et vous avez une vue où vous pouvez percer différemment devant. Donc il faut s'y habituer. Et bon, vous allez l'utiliser souvent, puisque à certains endroits, il faudra vraiment regarder le terrain. On va y arriver, Alors, regardez si je peux passer ma... Voilà, je continue en manuel là. C'est un plus. J'ai de la chance, j'ai pas calé. Un peu le bord. Voilà. Pire, hein. Il va avoir un arbre pour m'aider au cas où. Hop, on va passer la marche arrière. Avec tu veux. Allez, je vais m'accrocher à un arbre. Là, utiliser le treuil. On va gagner quelques mètres. Voilà. On relâche. Maintenant, ça devrait passer. Ah non. Alors on va raccrocher ici. Non. Oh mais pas trop de temps pour se coincer, hein, ça va vite. Hein. Allez, là on va retrouver le bitume. On va déplacer notre morse. J'ai évité de rentrer dans la voiture, donc c'est fait. Allez, mon loulou.
Alors là, plus dur, ça va être de la mettre. Hein. Dans le bon sens, ça va être long. Hein. Voilà, donc faut que je la mette au fond. Et là, on va galérer. Là. Allez. Tout doucement. Allez, on tourne encore un petit coup. Hop. C'est pas mal. C'est chaud là. Et chaque fois que je me trompe, je m'inverse alors. Ça. Alors on va redresser les roues. Oh, que mauvais. Cette fois, c'est la bonne. Me mettre devant. Voilà. Des fois ça prend du temps. Oh mince, j'ai tourné trop vite. Voilà. Alors on va dételer notre morgue. C'est le moment d'avancer. Oh bah là, il y a juste besoin d'air. Voilà. Et nous allez-vous, éloignez-vous de la morgue pour terminer le défi. Et voilà, on a terminé le défi. Et voilà, défi terminé, donc on a mis 13 minutes, carburant utilisé 32 litres, distance parcourue 1 km 31, voilà, donc nickel. Meilleur temps de réussite précédent, 18 minutes, on a mis moins de temps. Allez, on va retourner au menu principal. Donc c'est ici en fait les défis. Alors autrement vous avez un dictatriciel, voilà ici, mais bon. Pour les défis aussi, c'est sympa de le faire. Donc autrement, vous avez aussi... il y avait quoi, c'était un la grue. La grue, ça peut être sympa aussi pour pouvoir vous en servir. Allez, on va aller faire un petit tour avec la grue. Donc bienvenue dans le défi objectif principal, utiliser la grue forestière pour récupérer et empiler les rondins. Donc c'est parti. On allume notre petit camion, hop. Là vous avez le bloc différentiel intégral, donc dans la boue ça va tout seul. Allez, on va se placer là-bas. Éviter d'abîmer les clôtures. Bon là.
Voilà, donc là on va se mettre dans mode avancé. Je vais mettre le frein à main. Donc tourner les ancres. Voilà, qui sont derrière, hein, forcément. Pousser les ancres. Donc là je vais avancer un petit peu parce que forcément il me fait un mètre un peu loin. Voilà. Hop. Alors, je refais. Tourner les ancres. Pousser les ancres. Voilà, là je suis bon. Hop, nickel. Donc maintenant je vais utiliser ma petite grue. Donc ça va vous prendre du temps à vous adapter à l'utiliser. Donc on va aller chercher notre premier rondin. Donc en fait dans le jeu il faudra prendre 4 rondins pour pouvoir remplir la remorque. Donc vous avez des rondins moyens, courts et longs, donc il faudra bien regarder les remorques que vous avez pour vous planter. Voilà, donc là ensuite j'appuie sur X long comme ça, hop, ça me rend tout. Il faut pas que j'oublie d'enlever les ancres parce que sinon pour avancer c'est le bordel. Allez, c'est parti, on va aller en face. Hop, frein à main, on va tourner les ancres, les mettre dans le sol, et on va utiliser notre petite grue. Hop, on va chercher le rondin qui est là au fond. Hop, reste là toi. Oh, il va où? Voilà. Et hop. Voilà, c'est fait. Donc là, hop, on replie tout, on remet les ancres. Et on va aller chercher notre troisième endroit qui est là-bas, me semble-t-il. Oh, puis endommagé mon véhicule. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais rentrer dans le machin. C'est pas grave. Allez. Alors, je vais vous montrer le petit détail. Donc vous voyez la boue, c'est vraiment, c'est assez bien réalisé. Hein, franchement, la physique, c'est bien foutu. Alors je vais vous montrer un petit truc. Voir à ce moment là bon, vous verrez dans l'eau, vous avez le fuel, vous avez l'essence qui apparaît. Alors c'est pas un jeu écologique, hein, tout de suite, on va remarquer. Vous voyez là un peu la couleur qui a changé de l'eau là bas vous voyez un peu le truc arc-en-ciel là. Donc, c'est le fuel, ça. C'est les petits détails qui font. Alors on va se placer pas trop près de la baraque. Sinon l'encre elle va encore toucher le toit là-bas tout à l'heure. Hop, allez. Voilà. Et la grue. Alors là. Hop, on
Donc là, il y a deux rondins. Ah, j'étais bien, je sais pas pourquoi j'ai lâché. Je sais pas si je peux reprendre les deux. Ouais, si, allez, on va voir, ça tombe, tant pis. Allez, on remonte tout. Attention de pas taper à droite à gauche. Voilà. Hop. C'est une habitude à prendre. Hein. Voilà, regardez donc. Bon là, ouais, c'est pas bon. Voilà, donc quand vous avez les points verts, c'est qu'ils sont bien positionnés et c'est surtout que c'est les bons rondins. Donc là, bon, c'est un défi, donc ils vont pas vous mettre des mauvais rondins. Mais lorsque vous serez sur les cartes du jeu solo, en fait, vous aurez un socle. Vous pourrez, quand vous arrivez à un entrepôt où il y a des bois, vous choisissez soit les courts, les longs ou les moyens, suivant la remorque que vous avez. Si vous mettez les bons, les mauvais, vous voyez, là, il faut mettre 4 rondins. Vous avez les points verts, donc il suffit de passer en... Voilà, avec la croix directionnelle, vous êtes en mode avancé, et vous appuyez sur X. Et voilà. Tout, votre camion est rempli. Donc là, hop, on va aller se rendre la série. De regarder la boussole, la petite flèche rouge là-bas. Pas bien loin. Hop. Ah mon dieu. On se calme. Ça va bien se passer. Alors, vous pouvez renverser vos véhicules, hein, je vous dis pas. Les remorques, tout ça. C'est arrivé plusieurs fois. Une grosse galère. Hop, là, je tourne le bouton. Hop, 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 hop. On va y arriver, regarde. Hop. Voilà, comme ça, ça vous montre de quoi le jeu est capable de faire, et surtout le joueur. C'est juste un défi. Hein. Voilà, j'exagère un peu le trait, mais bon. Hop. Voilà. Alors, on va finir le défi. Et voilà, défi terminé, tranquillou. Donc, on retourne au menu principal. Hop, donc je vais juste vous montrer un peu le jeu solo. Donc vous avez différentes cartes, donc les marais, l'île, ça c'est les premières qui étaient tout début du jeu. Donc voilà, en fait, hop, le but c'est d'aller chercher des rondins à droite à gauche et les amener dans les séries. Donc voilà, débloquer des garages. Donc pour débloquer des garages, il faut des points de garage. Donc il faut amener des remorques avec des points de garage. C'est-à-dire qu'ici, c'est pas des rondins ou quoi que ce soit, pour débloquer les garages qui vont vous permettre ensuite d'utiliser des grues, changer vos remorques. J'essaierai de faire une vidéo justement sur l'île, mais bon, je vais voir comment je peux faire. Donc voilà, autrement, n'oubliez pas, vous avez aussi le didacticiel qui vous explique aussi un peu les bases. Mais je vous dis franchement, commencez aussi par les défis, faites le didacticiel et les défis, et après, lancez-vous dans le jeu solo. Voilà, donc les défis, vous avez des petites étoiles à débloquer. Voilà, donc c'est un petit jeu, bon, vous le trouvez pas cher, hein. Vous avez aussi le DLC American Wilds, donc
Donc là, vous avez un camion ou deux américains avec des voitures aussi, des 4x4. Donc il y a quand même pas mal de. Je vais quand même vous montrer tout ce qu'il y a, voilà, en voiture. Donc les voitures se débloquent pas toutes seules. Il faut avancer dans le jeu pour les débloquer. Voilà, à peu près tout ce qu'il y a. Voilà, et donc il y aura une suite l'année prochaine. Donc voilà, pour ce comme Truck Driver est sorti, bon ben vraiment c'est vraiment un jeu de routier quoi. Bon, ça c'est pas encore ça, donc si vous voulez, il y en a qui connaissent ce jeu-là, mais bon, si vous voulez un peu avoir un jeu où il y a des camions, où vous voulez vraiment en baver, ben ce jeu est fait pour vous, je pense. Donc voilà pour cette petite présentation de ces deux défis de Mud Runner. Et moi je vous dis à bientôt. Bonne soirée, bonne semaine. Bye bye.